On est de retour. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Serpent ou pas serpent? Oh putain, voilà. Oh la côte, ça va. Je te l'ai dit. Oh putain. Il est où, Je sais pas. Oh, ah, il est là, je crains. Oh putain, je me casse. Je crains. Oh putain, un instinct. T'as vu? Oh putain, excellent. Oh, il aurait fallu que tu l'amènes vers le robot. Je déteste ça. Regarde-le là, ouais. Regarde-le. Mais merde, j'aurais... Ça me rappelle un serpent que j'avais dû tuer au bord de ma piscine. C'est vrai, hein? C'est vrai? C'était horrible. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Ouais. Ah, œuf de poule. Donc, on se retrouve. Excusez-moi pour cette introduction un petit peu... Il s'est un peu cagué dessus, j'aurais dit. Ouais, je reconnais. Bon, bah ça va, écoute. Bon, on est... Ouais, un peu la fenêtre, ça te dérange si tu fais un peu moins de bruit, là, c'est bon, hein? Non, c'est justement parce que... Des motos, super pro. Ça te dérange? Merde. Donc, épisode numéro 6, c'est ça? Oui, tout à ouais, fait. C'est ça. Donc, oula, regarde-moi ça. Putain d'instinct. Niveau instinct, on en est à combien à peu près? 34. Bon, on résume un petit peu. On s'est retrouvé dans un cimetière. Il y avait un casse-tête à faire. Voilà, avec des jumeaux. On l'a fait. Des tombes jumeaux. On l'a fait trop facilement. Et. Faut dire qu'on est toujours un peu paillasse, hein, je vous le dis. Ouais, on est toujours bon, on est toujours au chiffon, quoi. On n'est pas. Il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'il fait? Il smurf ou quoi? Et ouais, le casse-tête, en fait, je pensais que c'était pour ouvrir la porte. Et en fait, que nenni. En fait, apparemment, il faut continuer par ici. Donc, on va continuer par ici. Donc, en fait, on va trouver une autre solution. Ben, ouais, on avance, quoi. Comme une chanson d'Alain Souchon qui disait « On avance, tu connais ou pas? C'est pas Eddie Mitchell? Non. C'est Alain Souchon. Regarde-moi tous ces corbacs. Si je mettais un petit coup de fusil à pompe, là. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Il donne quoi? Des sous, hein, c'est ça? Je sais pas ce qu'il donne, mais j'aimerais bien qu'il s'envole pas, là. Non, mais là, il y en a trop, quoi. Tu l'as tout. Ah ouais, trop bon. Tu vois le coup, quoi? Ouais, il y a encore un. Je sais pas si je dirais ça, que c'est... J'ai utilisé mon instinct, mais... Merde. Ah, tu as vu? Pas grave, regarde tout ce que t'as. Non mais... Regarde tous les trésors que tu as. Regarde, encore plein. Mais ouais, j'étais mal. J'aurais dû balancer une... J'aurais dû balancer peut-être une grenade, non? Non, moi ça les aurait fait fuir. Ouais non, je me disais, est-ce que c'était encore un petit coup d'instinct, quoi, tu vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Ben là, pour l'instant, je vois... Bon, là, il y a un truc. D'accord? Ouais. Pour l'instant, je te dis ouais. Là, c'est une smorphine. C'est une spins. C'est une spinance. Mets-toi là, tourne-toi vers la baraque. Quelle baraque? Putain, elle est où? À gauche. Putain, mais je crois que je me souviens de là. À gauche. Et là, par la petite porte. Ouais? On voyait. Ouais, putain, y'a pas de porte en fait. J'ai rien dit. T'entends? Oh, t'entends le bruit, j'entends ou pas? Mais je me souviens d'ici. Y'a un truc dans l'autre maison. Je me souviens, putain. Je vais pas spoiler pour les gens, ni pour toi, mais... Oh, tu entends ce grognement? Oh, un gros monstre. Un gros monstre. Là, il y a des trucs. Ah, merde. Alors, Ouais, ça, c'est bon. Oh, con. Oh, il y a une camembert dans ton frigo. Oh, sérieux, non. Non, là, je me pose vraiment la question. Est-ce que c'est toi ou est-ce que ça chlingue, quoi? C'est toi, j'aime c'est bien. Le camembert dans ton frigo qui ça, c'est un truc, pue sa race. C'est un truc que vous pouvez faire. Ça, c'est un truc, ça me fait trop rire. Si vous dites, quand vous êtes avec des potes ou quoi, vous regardez le plus sincèrement possible. Et vous faites... Non, mais sérieux, c'est toi ou ça se flingue là? Ou alors, si tu as encore plus d'humour, tu dis c'est moi ou ça se flingue? Genre, le mec il assume complètement qu'il pue, tu sais. Ça me fait rire. C'est moi ou ça se flingue là? Attends. Hein? C'est moi? C'est moi? Moi, que ce soit ton caleçon qui tient tout seul. Hein. Bon, là, il y a une porte. On va examiner ça. On dirait que le portail est fermé. Un instant, j'entends un grognement de ce côté. Ok. Bon, ben là, il y a un putain de monstrasse. Là, il y a une porte.
Oh merde, je suis pas descendu, tu vois. Je pouvais descendre aussi. Mais alors, ton instinct 48, il est où? On y retourne ou pas? Qu'est-ce qu'on pense? Eh ben retourne, ça te coûte rien. C'est une plante. Puis tout à l'heure, tu te tires le flanc, mais c'est pas grave. Hein. Comment ça? Enfin, tu marches? Putain, ce serpent, tu t'en rends compte? On l'a vu, hein? Je t'avais pas menti, oui. Hein? Non, c'est vrai. Bon, je vais essayer d'y retourner pour voir si... si c'était intéressant ou pas. Allez. Donc, là... On va voir ce qu'il ah, y a. Ben. Ah ben non. Ah ben tu vois, une porte. Ah merde. Attends. Je pense que tu rentres dans un non, rêve. Mais je vais regarder sur la carte, peut-être que... Ah putain, mais c'est vrai, tu la regardes jamais, la carte. C'est vrai. Je reconnais. Là, c'est fermé. Ça dérange si je bois un petit café? S, machine à écrire. M, marchand. Ah, il y a un marchand. Ok. Vas-y, fais du bruit aussi, non? Pour déconner. C'est bouillant. Attends, parce que là, je crois qu'il y a une machine à écrire et puis il y a un petit marchand, non? Ça dérange si tu sauvegardes un petit peu. Ouais, on va sauver. Oh putain, il y a des poissons. Des poissons, j'ai l'impression. On va pêcher un peu. Avant de sauvegarder. Regarde-le, il est là. Qu'est-ce que c'est? Le marchand. Ah, c'est le marchand. Alors attends. Bah, tu sauvegardes après avoir acheté, vendu et tout le ten-twen de ce que je ten-twen. Est-ce que je prends un poisson pour. Oui, garde dans ta mallette. Eh ouais, mais regarde. Là, le gros. C'est pas lui. Non, mais j'arrivais pas à l'attraper après, ça sert à rien. Y'a pas de gros. Bon, y'a pas de gros. Va voir un peu ton. Et je sauve après. Attends. Ouais, tu as vu l'instinct? Ou je trouve que c'était un serpent. Ça y est, traumatisé. Ah, je déteste les serpents. Bon, ça me dérange pas, quand il faut le tuer, mais je... c'est quand même un animal que j'aime pas. Oh, tu as vu? On est venu dans son Bravo, nom. Étranger, je vois que tu as tiré sur un nombre suffisant, les daillons. Ah oui, ça y est. Comme promis, va chercher ton arme spéciale à l'écran acheté. Ne t'inquiète pas, si tu m'as beaucoup d'argent, je t'offre cette arme. Oh, trop bien. C'est quoi? Bon. Punisher. Pidon. Permet de perforer deux ennemis. C'est pas ah bizarre. Si, ça va alors. Attends, acheter ou il te l'offre? Ah putain, mais... Sa mère. Comment peux-tu faire? Non, je peux, mais est-ce que je jette l'autre, quoi, c'est ça? Non, hors de question. Parce que si tu te retrouves sans munitions... Tu es dans la merde. Quoi? Non mais là ça sert à rien d'avoir deux flingues. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais il permet ça de peut faire toujours deux... te servir. Les balles rouges, elles servent pour quelles? Les deux. Pour les deux? Ouais. Non, mais alors jette. Ou alors je le vends. T'as pas un coffre pour mettre tes trucs de côté? Non, je peux pas là, putain. Lunettes fusil disponible. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Et l'esprit vend plus, hein, putain. Bon, on l'a optimisé. Tu vois, regarde. Ça, c'est l'actuel. Pistolet, niveau. Je suis à deux petits carrés. Ouais. Et là, je suis à un seul carré. Putain. Perforer deux ennemis, c'est mieux. Faut dire ce qui est, c'est mieux, babe. Bah, mais y a pas à tortiller du cul. Eh ben, ouais, mais ça veut dire qu'il faut. Voilà, niveau 2, il faut payer encore. Donc je jette l'autre. De toute manière, dans la vie, on fait que payer. Allez, je vais le vendre. Je vais le vendre. Pistolet. Ah. Comme ça, je prends celui-là. Puissance. Cadence. Huit points de rechargement. Not enough cash. Ok. Bon, mais voilà, hein, écoute. Allez, on sauve. On va sauver sur un autre truc au cas où. Hein? On va faire un peu le geek, hein, tu sais. Oui. Je t'ai toujours dit qu'il y avait deux écoles. Bon, les mecs qui sautent par-dessus pour garder la place. Et puis les gens qui n'hésitent pas à faire une autre. Mais t'as plein de places. Une autre sauvegarde, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, quoi. T'as plein de places. Oh, tu vois le truc, là-bas. Tu as un Twitter, toi? Tu veux que je te tweete? Tu veux, moi, non? Tu veux Ça dérange si je. Bon.
Oh, j'espère qu'il va avoir plein d'abonnés, comme ça je vais pouvoir leur faire écouter. Ça dérange si j'avale là? Ça dérange si j'avale? J'ai le droit d'avaler? C'est ça qu'elle dit, j'ai le droit d'avaler? Oh les gars, je vous préviens, hein, je sais, je l'avale. Hein. Putain, tu l'en fais trop bien, c'est toi qui as joué. Ah non, pitié. Ah non, elle est horrible. Alors, comment il est ce flingue? Tu sais que j'ai fait des cauchemars après quand même. Hein. Fais voir, il est bien ou pas? J'arrêtais pas de dire dans mes rêves, non, ça me dérange que t'avales. Ça dérange! C'est vrai que c'est horrible. Je reconnais. J'en ai vu des films. Ah ouais. Je reconnais que c'est. Ça peut faire peur. Mais je vous conseille à tous de demander d'avoir le plus d'abonnés possible. Et je vous promets que je vous le mets sur. Le son, c'est rigolo. Mais avec l'image, c'est pire. Non, mais l'image, vaut mieux pas avoir l'image. Non, je peux pas l'image, je peux pas. Non, après, non, je, YouTube, il me tue. Vaut mieux pas avoir la gonzesse, en fait. C'est Manou, je te jure. J'en peux pas. Et en même temps, hein. Oh, Ivy Rain. On dirait Ivy Rain. Merde. Ah non, putain, c'est elle. Tu as eu le bozo. Bozo. Faudrait mettre, tu sais, j'ai envie de. Dans chaque fois que je fais une bonne action, dans mon montage, je vais faire apparaître un truc bozo, tu sais, avec une petite étoile. Bozo time. Non. Qu'est-ce que tu en penses? Mais attends, laisse-moi avaler. Ça dérange, je avale. Oh putain, ça y est, toi tu es traumatisé. Alors, normalement... Ah putain, je bois mon café, lui, attends. Je vais le fumer au sniper. On va un peu l'utiliser, le sniper. Surtout que j'ai la gorge qui me gratte. Attends. Je crois que je suis malade. Ah ouais, mais... Tu m'as refusé ta maladie. D'accord, super, bravo, génial. Le snipe, là, c'est super, hein. Bien joué, là, le coup du snipe, c'était bon. Là, je sais pas ce que je vais mettre comme musique, mais... Oh con, ça m'a rien, lui. Tu as un bonnet de marin. Tu sais que tu es un petit peu mort, presque. Hein. Ouais, je vais te prendre de la vie. J'ai vraiment l'impression... Ouh, mais j'ai plus trop de vie, hein. Hein? Tu as vu ça ou pas? Ah, je vais prendre un œuf. Est-ce que tu m'écoutes quand je te parle? Non, pourquoi? Non, voilà, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que tu dis? Je disais que t'étais presque un peu mort. Mais oui, mais c'est pour ça que je prends de la vie. Parce que je t'écoutais. Non, pourquoi pas... tu répètes Tu vois, tu as vu l'instinct? Putain, c'est un truc de fou quand même. Tu as vu? Allez, tire. Tu roules. Oh, elle est chiffon, la guaca. Je prends la guaca, elle est chiffon. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, ok, très bien. Bon, nous arrivons dans le marécage. Fais gaffe. Y'a mec. Attends. Regarde. Non, mais là je vais utiliser le sniper, mais à bon escient, comme on dit. Oh, les sales expressions de grand-père. Ouais, après tu te moques de mes expressions de grand-père. Regarde ça, tu l'avais vu ou pas? Pouh dans la tête. Oh, c'était beau ça. Ça par contre j'aime pas. Mais pourquoi? T'as vu qu'il y en a un là aussi? Mais... Qu'est-ce oh là que c'est là, il y a le monstre de Loch Ness. Crocodile? Il y a un mec dans le... C'est un croco? Mais non. Là, ça. Non, mais il y avait un mec... Il y a un croco... Oui, j'ai vu. Non, c'est le monstre de Loch Ness. J'ai vu. Il y a un croco qui est passé, là, dis donc. Il est en train de pisser dans l'eau, là. Bon, allez. Sniper. Mais ça va, attention, putain. Quoi? Le lendemain matin, on y est encore, hein. Oh, ça va, hein. On va regarder un petit peu, histoire de... d'analyser un petit peu ça, donc ok, de la dynamite, là il y a des trucs, je sais pas ce que c'est, ok, on va le faire péter, hein. Je suis désolé, mais bon... Ah, tu vas tester. Quoi? Vas-y. Ouh. Tu vois la différence? J'ai testé déjà tout à l'heure, tu es complètement chiffon. On va dans l'eau ou on y va pas? Regarde, il y a un truc. Ah ouais, mais j'ai vu un truc passer tout mais ça. Mais il y a des petites pierres. En bas. Ouh, attends. Y'a un mec encore là. Ok, je vais te dire ok pour l'instant. Ah non, c'est les lumières des filles. Oh. Ah. Je commence à apprécier le sniper. C'est sûr. Quoi, c'est sûr? Au début, tu étais débile. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'étais bidon au début. Ben, maintenant, tu démerdes mieux. Ben oui, et ben j'apprécie. Ben oui. Bah oui, je comprends. C'était bidon, on me dit. Mais c'est vrai. Putain, lui, il a voilà. Osé me tirer une machette. Maintenant, t'es parfaite. Ah, la coupe de sa mère. Ah,
Ça, 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 ça. Il y en a plusieurs. Ouais, bien sûr. Pas qu'un. Oh. Il est encore là, hein. Bah oui. Je crie comme une femme. Je remarque un peu, ouais. Même pas moi, j'ai crié. Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe? Oh, l'enculé! Oh non! Oh, la pute! Non, mais t'es... Prends la vie. J'ai plus de vie. Tu le sais. Oh, courage, hein. Regarde-moi tout ça. Ils arrivent. Mais t'as vu, ils sont arrivés par derrière comme des... Comme des petits cafards, là. Allez, levez-vous. Des petits chevreuils. Pour ça, je vais faire allumer par un crocodile. Merde! L'erreur de débutant! J'ai pas rechargé, putain. Hop là! Attends, je te cut. Hop là! Oh, le serpent plus les manouches. Le serpent, il est toujours là, hein, j'aurais une dire. Mais... fais gaffe. Oh, ouais, mais malade. J'aime pas m'approcher de ça. Je te jure, je crains. Mais rien que de le voir, je crains. C'était pas ça qui met dans le... Oh, oh putain, regarde-le, lui. Oh non, mais attends, ils sont combien encore? Non, pas de l'autre côté. Mais saute. Oh putain. Fais gaffe au fil. Oh, c'est tendu. C'est tendu, là. Je te dis direct que c'est tendu. Là, ça commence à être un petit peu tendu, surtout que j'ai pas d'autre... C'est quoi ça? Ah, mais en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était Okina sous l'eau. Mais non! Mais si, regarde, ils sortent dessous l'eau. Sérieux? Ouais. Oh, il y a un peu des ralentissements là, qu'est-ce que c'est ça là? La PS3 est moins puissante que la GameCube ou quoi? Je me mets en mode geek là, attends. Normalement, les coprocesseurs de la PS3, elle est. Sony! Normalement, elle est beaucoup plus puissante que la GameCube, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends. Il faut appeler Capcom, il faut appeler Sony. Putain, on a du boulot, je te le dis. Alors. Il y a encore un mec. Ok. On va en profiter pour recharger. Putain, ça c'est bon ça. Quand ces animations. Dans les couilles, vas-y. Mais non. Tu parles de moi, les vaches quoi. Toi, tu es pire avec les humains. Pardon. C'est pas un humain pour moi. Qui? Mais lui, c'est des morts-vivants. C'est pas des morts-vivants. Mais si, c'est des zombies. Mais non, c'est des manouches. C'est des anciens manouches. Allez, coup de pied. Coup de savate dans la tête. Il est où? Il est sous l'eau. Ah, il est là. Il est la tête. Et voilà. Oh, ça. C'est pas très beau comme marée. Hein. Bah, ma foi, tu crois qu'il est marée, c'est beau. On peut grimper, là? Mais le mec se pose la question, il est déjà en route. On peut grimper là? Ah ouais. Non, mais on y est. Je reviens un peu sur mes pas pour voir si j'ai pas loupé un truc là. Il y a un truc dans l'arbre, non? Ça. Non, c'est les fils. Puis... Ouais, c'est en fait, tu passes par là. Ok. Ouais, voilà, c'est pour passer par là. Ouais. C'est pour éviter. Là, il y a un petit truc, hein, une petite grenade. D'arbre en arbre, quoi. Ou. De faire des petits rebonds ou... Ouais. Est-ce qu'on voilà. Descend, est-ce qu'on passe par les marais? Voilà, là tu vas... Fais gaffe aux planches, j'ai l'impression qu'elles vont s'effondrer. Putain, mais ça les appelle tous quoi, sans déconner. Ok, écoute, je vais essayer d'utiliser un petit peu le pont, par contre. Merci. J'espère qu'il n'y a pas un mec derrière, parce que j'ai entendu des sales bruits. Ok. Fais gaffe aux serpents aussi. Ouais, serpents, ça, putain, je te jure. Là, je sens qu'il y en a plein, tu vois, parce que c'est un endroit marécageux, donc je sens qu'il y a des serpents. Qui c'est qui a parlé, là? À droite. Attends, c'est quoi ce bruit? Non, à gauche. Putain! Mais d'où il sort? Tu es rentré dans la maison ou il était pas? Hein? D'où il sort? Oh! J'ai plus de vie, quoi, ça me rend fou. J'utilise pas beaucoup. Oh, oh voilà, je le savais. Je crois que je vais lui mettre toutes mes balles. Hein.
Non, mais non, quoi. Tu sais ce que je vais faire, regarde. Regarde, pourquoi? Et voilà. Ah ah, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Tu vois pourquoi j'ai tiré au... Eh ben oui, mais bon, en même temps... Pourquoi t'as tiré quoi? Au flingue. Non, mais il est pas mort. Il est pas au couteau. Il mais il t'a mort. Quand même sauté dessus, hein. Ouais, il m'a pas eu. Mais d'où il serait mort? Il t'a sauté dessus. Il m'a pas eu, je t'ai dit. Oh putain. Appelle Capcom, ça bug encore. Ah non, mais c'est... Merde. C'est chaud à en voir fait, ces merdes. Prends un œuf, de la planète. Yes. Un peu de vie. Ouf. Ça va mieux. Je me sens mieux. Ok. Il était bon ce petit café, mais il m'a envie de roter maintenant. Vas-y, rote. Hein. Non, je sais pas roter. Ah, on arrive à la porte. On arrive à la porte. Encore, il y a que des serpents, j'aime pas, ça y est. Je commence à pas être bien, à stresser. En plus, ça me gonfle, j'arrive jamais à les choper. Heureusement, ça donne des œufs. Ok. Qui a-t-il derrière la porte? Je pense qu'il y a un gros monstre. Je vais me prendre un pi. Un petit crocodile, hein. On va pas se laisser abattre, hein. Je prends un petit crocodile, ça me donne des forces. Vous voyez tout ce qu'on a? On a les Bounty, les Kinder Country, les Harry Potter. Tu prends une photo, quoi. Ah, il y a deux chemins, là. Il y a une petite villa. Petite cabane, la petite cabane du pêcheur, et puis il y a une montée. Allez, on va aller à la cabane. On va juste regarder la carte. Merde, comment on fait? Qu'est-ce que c'est? Qui fait ce bruit? Ah, regarde, il y a un cul-de-sac à gauche. Oui. On vaut mieux aller à gauche. On reviendra. Il y a un cul-de-sac, donc vaut mieux aller au cul-de-sac? Ben oui, parce que. Et pourquoi faire? Ben pour voir ce qu'il y a. C'est un cul-de-sac, y'a rien. Ben non. Va sûrement y avoir un truc. C'est pas logique. Ben, regarde. Ah, il a trouvé ça. Qu'est-ce c'est? Oh con. Des manouches marins. Oh putain, c'est encore le flic. Ah ouais. Le second. Je me souviens. Ils font peur quand même, hein. Ce jeu est extraordinaire. Oh là là. Pour les tiens. Donc du coup maintenant il est tout seul, quoi. Pourquoi c'est ça? Ah oui. Après, il est déjà tout seul. Oh là là. Mais c'est quoi? Oh alors ça. Ça c'est un monstre bozo. Oh là là. Ok. Bon. Je me souviens maintenant. Je me souviens de la galère. C'est un monstre marin, donc. Ouais, tu vois, on appelle ça... comment ça s'appelle En fait, ils le nourrissent. Comment ça s'appelle? C'est leur dieu. Non, c'est... comment on appelle Oh putain, le monstre de Loch Ness. Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure déjà. Le mec il met 3 heures pour trouver un truc. Bon. Ouh la petite cabane là. Je la sens bien. Ouh y'a rien qui vaille. Ah ouais d'accord, super le bateau. Je pense que tu te doutes de ce qu'on va faire. Petite plantouille. Et ouais, petite sauvegardouille. Parce que... là peur. T'as bien avancé quand même. Hein. J'ai bien peur que... En plus, tu sauvegardes avec ta vie à donf, c'est ce qui est bien. Putain, alors attends. 1, 3, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 3, normal. 2h53. On va faire ça? Question de balance. Mais 4, 7, 8. Hein, On est bon là, non? Mais voilà, tu aurais pu remplacer au 7, putain, mais bon, c'est pas grave. Non, on va remplacer. Au 4 même. Hein. Non. Tu sais, on enregistre toujours au plus ancien. Mais enfin, bon. Mais j'ai pris le dernier là. Non. Au plus mais ancien, oui. Donc le 4. Le putain, ça, m'emmerde pas, pas. Y'a pas un nid là qui traîne là, non? Bon, ok. Ah. Je vais recharger. Ah putain, c'est vrai que je peux en garder que... Que 10 là, avec ce petit flingue, puisqu'on n'a pas eu la recharge. Ok. Ok. Comment ça marche?
Est-ce que tu vois ce que... Est-ce que tu viens pour les... Oh là là, regarde, regarde, regarde. C'est mon bateau. Voilà, regarde ça. Oh la beau droit, quoi. Oh, ce monstre. Oh, oh là là. Excellent. Fantastique. Oh putain, il y a l'ancre qui s'accrochait à son... En fait, tu sais quoi? Regarde. Je me souviens que ça y est. Ouais. Je suis en train d'analyser ma sœur, elle a fait sur... Ah. Ouais. Ça y est. Et comment... Comment je... D'accord, super. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, connasse. Je me souviens plus. Si, il faut que t'avances. Je me souviens non, maintenant, ma soeur, je me souviens de ce passage. Ah, voilà. Elle avait pété un plomb. Mais... Ah oui, d'accord. Okay. Non, mais j'essaie de... J'essaie de comprendre la visée du... Oh, con. Je n'ai plus de vie, là, je crois. J'ai plus de vie. Je vais me faire... Je vais me faire choquer. Je me suis choqué. Ok. Bon. Je vais refaire une tentative, hein. Écoute-moi. Mais voilà quoi. Vous êtes un peu mort. Je vais refaire une tentative parce que je suis pas très chaud, d'accord. J'attends le 6 quand même, hein. Il m'a l'air bien. Je suis pas d'accord avec toi. Mmh. Non. J'ai revu là, les extraits hier. Non. Parce qu'il n'y a pas cette ambiance d'un manoir de Oui, non, de... mais ça, je crois que j'y arriverai plus. Donc, je suis pas... Et le 5, c'était trop pire. Il y a une porte, là. Regarde. Il y a une porte. Oui. Regarde ça. Mais qui va se coincer. Attends, il y a des halogènes dans l'eau, tu as pas vu. Oh, putain, mais... Bon allez, on va se défoncer ce monstre. Putain, par contre, j'ai pas beaucoup de vie. Hein. T'es ouf, hein. Ok, ça on le passe. Allez. Ah putain, de visée de merde. Allez, vas-y. Tu vises en l'air. Allez, vas-y. Putain, en plus, il me bouffe la vie, mais laisse tomber, quoi. La moitié de vie. Okay. Faut attendre qu'il sorte. Bah, bravo, merci. Putain, la fille qui m'aide. Quoi. Mais non, qu'il sorte sa gueule. Non, mais c'est trop. Attends, je suis malade. Je sais plus comment je... Mais vise, qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà. Un. Tu crois que je peux choper là? Non, mais non. Quand il est dans l'eau? Bon, quoi. Allez, vise! Qu'est-ce que tu fais? Voilà, deux. Et maintenant tu tires. Trois. Tu recules le bateau. Il est où? Maintenant tu recules le bateau. Lancer. Mais lancer où? Ah. Oh, oh, oh. Voilà, dans la gueule. Oh non! Je l'ai eu là. Allez! Il faut l'avoir dans la gueule! Putain, je l'ai eu là, non? Sors fort! Oh con! Oh con! Putain! Faut pas prendre de. Oh con! Ah, j'appuie comme un zinc! Comme un con! Oh là là, t'as pris une nage trop vite! Oh, il est tout nu! Attends, je prends une. Ouais, parce que là, t'es grave blessé, quoi. Attends, un œuf. Parfait, l'œuf. Ok. Allez. Maintenant. Mais non. Non. Oui, je l'ai eu. Trop beau. Mais attends qu'il monte sa gueule et tu tires dans la gueule. Mais c'est pas la gueule qu'il faut. Mais si, je t'assure que c'est dans l'intérieur de la gueule. Il y a des petits serpents dans la file, dans la gueule. Là. Voilà.
2. Pas mal, 2, non? Mais tu arrives à l'espérer. Non, 2. Oui, pas dans la gueule. Je crois pas. T'as vu, c'est Annie, c'est bien. C'est ça, il est où? Il est où? C'est ça qu'il faut. Ok. Allez. Yes. Yes, baby. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Yes, baby. Putain, tu leur as tué leur dieu, là, ils vont s'énerver, hein, je te le dis. Oh, attends, c'est pas fini. Non. Mais sors le couteau. Oh là, tu oh, j'appuie comme un godet. Je vous fais écouter. Oh, comme un godet. Oh, j'ai fait écouter la manette. Oh, regarde-moi ça. Il a masturbé la manette. La manette. J'avais un jeu comme ça, c'était sur Atari. Pour se, il fallait se branler, c'est un jeu de cul. Il fallait faire comme ça. Bon, je te raconte pas les crampes comme ça. Et en fait, plus tu faisais ça, plus l'image du cul, ben, ça faisait la pénétration. Ouais. C'était excellent ce jeu. Du coup, t'avais bien des cloques sur les, sur les doigts, donc. ça vous donne même, quoi. Je me souviens, c'était un pote qui avait ce jeu, il avait. Pour cacher, en fait, il avait mis comme nom Double Dragon 4. Ouais. Il faut savoir qu'à l'époque, ça n'existait pas Double Dragon 4. Il y avait quoi, le 2 ça me faisait rire, alors qu'aujourd'hui, Double Dragon 4, c'est. Et ça me faisait rire, quoi. Et voilà, fin du chapitre 1-3.